Beast, salam alaikum et bonjour à tous les pifs francophones. On revient à JM Core avec votre prochaine vidéo. Avant de commencer, rapidement, merci pour tous les commentaires que vous avez laissés sur la dernière vidéo. C'était super, super gentil de votre part. Aujourd'hui, je sais, normalement, c'est les vlogs et je suis sûr qu'il y a certaines personnes, où est-ce qu'ils sont les vlogs. On va commencer à faire les vlogs chaque deux semaines. Pourquoi? Parce que j'ai tellement de vidéos que je n'ai pas publiées ici qui sont de l'or. Dans cette situation, les coachings one-on-one où je rencontre des personnes comme vous avec beaucoup de problèmes. Et la plupart du temps, leurs problèmes, c'est vos problèmes. Et moi, je fixe les problèmes. Vous me connaissez, je suis tout le temps en train de régler les problèmes des gens parce que par rapport à mon expérience, j'apprends tellement que je vois des choses dans des séances d'entraînement. Je dis, bah, il faut que je partage ça avec eux. Dans la situation d'Angelo, une super transformation en suivant les programmes de JM Core ici, ça fait 10 mois que je le connais. Regardez ça. Un autre globiste. Celui-là, il est dangereux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que lui, il fait tout. Incroyable la discipline et la dédication qu'il a. Lorsqu'il commence à faire quelque chose, je vous présente Angelo. Pandé. Yeah. Donc Angelo, ça fait combien de temps qu'on se connaît? 10 mois. 10 mois. Et lorsqu'il m'avait approché, c'était lorsqu'il avait commencé à travailler. Tu leur dis, raconte-leur comment. Alors, j'ai commencé tout début 2019 à approcher Jamo. J'ai commencé ensuite le programme Supermass. Je faisais 94 kilos. Ensuite, j'ai rencontré Jamo en mars à Paris, au salon. Et j'ai fini le programme Supermass à 104,8 kilos avec 14% de masse grasse. Et là, je suis redescendu en dessous des 11%. Incroyable la discipline qu'il a. Mais celui-là, j'ai vu des personnes, il partage même des recherches avec moi et les choses qu'il découvre. Et je trouve ça super parce que ça m'intéresse beaucoup, les choses qu'il est en train de partager. Donc, je te remercie pour tout ce que tu es en train de partager avec moi. Et aujourd'hui, on va travailler sur les pas, sur ces points faibles. Et comme je le fais tout le temps, j'essaye de partager avec vous le moment spécial durant la séance de coaching ici à Metabolic Gym à Montpellier. Une gym incroyable. Incroyable comme gym. Superbe. C'est superbe, le charme de la gym. Merci à tout le monde à Montpellier ici à Metabolic Gym. Let's go. Alors les groupistes, où est-ce qu'il est? Lui, il est là-bas, vous le connaissez lui. Il m'a volé ma casquette, il faut qu'il me la redonne. Voleur. Il prend tout ici. Enfin, donc, les moments spéciaux des séances d'entraînement qu'on fait avec les gens que je coche en ligne ici, en ligne, lorsque je viens en France. Et ça, c'est les moments qui sont très, très importants pour vous. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des exercices, ils ne savent pas comment les faire et pourquoi ils sont en train de les faire. Il avait un problème avec ses élévations latérales où il a engagé trop ses trapèzes. La plupart du temps, les élévations latérales, que ce soit élévation latérale ou mouvement de tirage, c'est toujours la même chose. Les gens qui font des trucs comme ça, hup, ou le tirage, hup, donc il perd la contraction. Dans sa situation, on a fixé le problème de l'élévation latérale. Maintenant, on va faire les élévations frontales. Super exercice à faire. Fais l'exercice comme on te l'a montré. Non, pas en supination. Tu vas le faire en prise neutre, normal. Voilà. Super. Vous pouvez le faire comme ça. C'est cool de le faire comme ça. Mais la plupart du temps, les gens qui ont un problème avec les épaules, les articulations, la coiffe du rotateur, ils vont avoir mal à l'épaule. Et aussi, vous n'avez pas besoin de vraiment ramener l'haltère aussi haut. Donc, l'haltère, lorsque tu la remontes, vas-y, c'est là. Pas plus. Fais de l'autre côté, là. Vous pouvez le faire comme ça, c'est cool. Vous pouvez aussi le faire, prise neutre, comme ça, vas-y. Là, ne remonte pas trop. Parce que vous avez tendance à faire tous ça. Ça. Vas-y, non. Mais là où ça devient de plus en plus intéressant, la chose que vous devriez faire la plupart de vous pour vraiment galber encore plus votre deltoïde antérieur, c'est lorsque vous le faites en prise supination, moins de stress sur la coiffe du rotateur. Et aussi, Mathias, il est en train de vraiment perfectionner sans savoir.
et il a remarqué quelque chose. Donc je lui pose une question, parce que c'est le test pour lui ici, lui. Grosse pression. Grosse pression. Donc, fais la première manière de le faire normal comme ça. Ok, regarde au niveau du deltoïde antérieur, qu'est-ce que tu remarques? Regarde bien, hein. Je vais te faire passer par les trois prises. Vas-y. Ça se contracte, ok. Cool. Ça se contracte, okay. Cool. Maintenant, prise supination. Ouais, la contraction n'a rien à voir. Bon. On le voit ici, là, dès qu'il déclenche le mouvement. Tu as plus de contraction ici, moins de stress. Mais aussi, je vais faire quelque chose maintenant. Regardez bien ça. Maintenant, fais ton mouvement en supination. Ok. Maintenant, je veux que tu ramènes l'haltère. Au lieu de la ramener tout droit, parce que la plupart des gens, ils vont automatiquement la faire par rapport à la trajectoire des épaules, ils vont la faire là. Ramène l'haltère vers le milieu. Voilà. Mais sans remonter l'épaule. Boom, right there. Tu t'arrêtes là. Vas-y, continue maintenant. Regarde comment il est en train de garder encore plus l'intérieur. Ce sont deltoïdes. Rien à voir. C'est cool. Sérieux. Le mouvement de votre main et votre coude et votre épaule, c'est-à-dire au niveau des trapèzes, pardon, décidera le mouvement. Si vous faites ça, vous perdez. Si vous faites ça, lorsque vous faites élévation latérale, vous perdez. Donc tout le temps, gardez. Poignet, on ligne avec les coudes. Coudes, on ligne avec les épaules. Ne remontez pas les épaules parce que vous allez activer les trapèzes. Prise supination, moins de stress sur la coiffe du rotateur. Vers l'intérieur, engagez plus le deltoïde antérieur, spécialement si vous voulez vraiment les méloniser de plus en plus. Le problème de la plupart de vous qui sont en train de me regarder, c'est qu'ils se précipitent pour bâcler la série. On se précipite pour bâcler à la fin, c'est-à-dire finir la série, parce que ça fait mal. Mais c'est parce qu'on est en train de faire les cons. Maintenant que vous avez vu cette vidéo, je vous encourage à faire deux choses. La première, qui est très très importante pour moi en quelque sorte, laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Et en plus de ça, partagez cette vidéo avec vos amis. La deuxième des choses, rejoignez-moi à mon académie GM Core parce que c'est là où il y a encore plus d'or pour les personnes qui ont des problèmes, soit pour sécher ou prendre de la masse musculaire. D'ailleurs, dans pas longtemps, la vidéo qui va venir dans pas longtemps, vous allez vraiment comprendre pourquoi l'académie GM Core est très très importante. Donc, rejoignez-moi. Laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Et je vous vois lundi prochain, Inch'Allah, comme on dit ici chez nous, avec les trois mécanismes pour prendre de la masse musculaire. Vous allez vraiment, vraiment comprendre encore plus le processus. Et je vais le rendre très, très simple. Vous allez découvrir pourquoi la plupart des gens sont en train de se casser et perdre leur temps dans les gyms. Real good!